Salut les geeks, je vous montre 5 moyens simples d'assurer votre navigateur de recherche Chrome et quitter cette lenteur. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur juste après l'intro. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer 5 manières simples d'assurer votre Google Chrome. Et oui, je vais vous montrer 5 techniques très simples et très pratiques qui vont vous permettre d'accélérer votre navigateur de recherche, en l'occurrence Chrome. Avant de commencer, je vais vous expliquer un truc. Plusieurs raisons peuvent expliquer le ralentissement de votre navigateur. Ça peut être un logiciel malveillant ou un problème matériel, ou le fait que vous ayez trop d'extensions sur Google Chrome. Ça peut ralentir l'ordinateur, ou même une extension malveillante qui a été installée et qui va ralentir Google Chrome. Et enfin, peut-être un problème de sécurité qui cause ce problème. Donc, première méthode pour accélérer votre navigateur, c'est de nettoyer Windows 10. Si Windows 10 est nettoyé, votre système sera plus rapide et Google Chrome va suivre. Si vous ne savez pas comment libérer de l'espace sur votre Windows, j'avais déjà fait une vidéo dessus, je vous prie d'aller checker. Donc, on va continuer. Deuxième méthode, c'est de mettre à jour votre navigateur. Si Chrome est mis à jour, vous aurez accès à cette dernière version et naturellement, cela va augmenter sa productivité et il sera beaucoup plus rapide. Donc, je vais vous montrer comment mettre à jour Chrome. Donc, vous allez dans Chrome. Une fois dans Chrome, vous cliquez sur les trois points. Là, vous allez dans Aide, puis à propos de Google Chrome. Une fois là, il fait la recherche. Il a dit que mon navigateur Chrome est à jour. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas chez vous, vous téléchargez la dernière version de Chrome et cela va nettement augmenter sa rapidité. Troisième méthode pour accélérer votre navigateur, c'est de supprimer les extensions que vous n'utilisez pas. En effet, les extensions consomment trop de ressources et peuvent ralentir votre navigateur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de supprimer ceux que vous n'utilisez pas. Et là, je vais vous montrer comment le faire. C'est très simple. Vous ouvrez votre navigateur de recherche. Une fois que vous avez ouvert votre navigateur de recherche, vous allez sur les trois points en haut à droite. Une fois là-bas, vous cliquez sur plus d'outils et là, vous allez sur extensions. Une fois dans extensions, vous verrez vos extensions qui sont sur votre ordinateur. Donc, vous verrez comment il y avait déjà désinstallé beaucoup dedans. Mais si vous voulez, vous pourrez carrément les supprimer. Comme ça, et vous cliquez sur supprimer. Cela va permettre à votre navigateur de reprendre plus facilement et d'être beaucoup plus rapide. Si vous voyez qu'à l'avenir, vous aurez besoin de cette extension, vous n'êtes pas obligé de le supprimer. Vous faites juste désactiver et elle sera désactivée. Et au moment où vous en aurez besoin, vous le réactivez tout simplement. Avant de continuer cette vidéo, je vous prie de vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, nous sommes sur la chaîne des geeks où on apprend de nouvelles astuces chaque jour. Et oui, effectivement, chaque jour, on apprend de nouvelles astuces. Donc, on va continuer la vidéo. Donc maintenant, on va passer à la troisième méthode pour accélérer le navigateur Chrome. Videz le cache de votre navigateur périodiquement. C'est très simple à faire. Vous allez dans votre navigateur de recherche. Une fois dans votre navigateur de recherche, Chrome sauvegarde vos anciennes historiques de recherche pour vous permettre d'avoir facilement accès à cela. Mais elle ne constitue pas toujours un avantage car elle contribue à ralentir Chrome. Donc comment vous pouvez vider le cache de temps en temps pour augmenter, pour assurer la vitesse de votre navigateur? Il vous suffit d'aller sur les trois points en haut à droite et vous allez dans plus d'outils. Là, vous verrez effacer les données de navigation. Vous cliquez dessus. Là, il vous renvoie ici. Vous voyez l'historique de navigation, les cookies aux données du site, les images et fichiers en cache. Là, vous pouvez demander à Chrome de supprimer toutes les données, celles des 4 dernières semaines, celles des 7 derniers jours ou celles des dernières 24 heures. On va demander à Chrome de les supprimer et on efface les données. Voilà, donc avec cette méthode, vous pouvez augmenter de manière considérable la vitesse de Chrome. Ok, cinquième méthode, vous pouvez juste désinstaller et réinstaller Google Chrome. Pour le faire, vous allez dans votre barre de recherche et vous tapez désinstaller. Voilà, ajouter ou supprimer des programmes, vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, ok, vous cherchez Google Chrome. Une fois que vous l'avez retrouvé, okay, vous faites clic gauche et vous cliquez sur désinstaller. Et vous le réinstallez très facilement. Nous sommes à la fin de cette vidéo où je vous ai présenté 5 des nombreux moyens pour accélérer votre navigateur Google Chrome. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu. Cela fait toujours plaisir à la chaîne. Merci et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Car chaque jour, on publie ici sur cette chaîne une nouvelle astuce.